Gradi Gospod quol nos trasti apostolum glagola scena puti se vos codi voie rosoli I predasia sincelo miecesci Iako že je spisano. Sagesse de vous, écoutons le Saint-Évangile. Ces jours avant la Pâque, Jésus vient à Béthanie où est Lazare, qu'il a réveillé d'entre les morts. La foule nombreuse des Juifs connaît donc qu'il est là. Ils viennent, pas seulement à cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare, qu'il a réveillé des morts. Les grands prêtres se décident à tuer aussi Lazare. Il a à cause de lui de nombreux Juifs qui s'en vont et croient dans Jésus. Le lendemain, comme la foule est venue nombreuse à la fête, ils entendent que Jésus vient à Jérusalem. Ils prennent les rameaux des palmiers, sortent à sa rencontre et crient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouve un ânon, il s'assied dessus comme il est écrit « Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur l'ânon d'une ânesse !» La foule donc témoigne, ceux qui étaient avec lui quand ils avaient appelé Lazare hors du sépulcre, Il avait réveillé des morts. C'est pourquoi aussi la foule vient le rencontrer, parce qu'ils ont entendu qu'il a fait ceci. Les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous te préparions de quoi manger la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, « Le maître te fait dire, « Mon temps est proche, c'est chez toi que je vais faire la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Et tandis qu'il mangeait, il déclara, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Vivement attristés, ils se mirent chacun à lui demander, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Quelqu'un qui a plongé avec moi la main dans le plat, voilà celui qui va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à celui par qui le Fils de l'homme est livré, mieux eût valu pour lui de ne pas naître. Or, tandis qu'il mangeait,
Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, répandu pour une multitude en rémission des péchés. » Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. Judas prit donc avec lui la cohorte et les gardes détachés par les grands prêtres et les pharisiens, et ils survinrent avec des lanternes, des torches et des armes. Alors Simon Pierre, qui portait un glaive, le tira. Il en frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton glaive dans le fourreau, ne boirai-je donc pas le calice que mon père m'a donné? Alors la cohorte, le tribun et les gardes des Juifs se saisirent de Jésus et le lièrent. Ils le menèrent d'abord chez Anne, car c'était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Cependant, Simon Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors, près de la porte. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé au monde ouvertement, j'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple où se réunissent tous les Juifs. Je n'ai rien dit en secret, pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit, ils savent bien ce que j'ai dit. » À ces mots, l'un des gardes qui se tenait là donna un soufflet à Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. » Jésus lui répondit « Si j'ai mal parlé, montre-le. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?» Anne l'envoya lié à Caïphe, le grand prêtre.
Alors ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le baptême. Eux-mêmes, ils n'entrèrent pas dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir ainsi manger la Pâque. Seigneur, la foule rassemblée exigea de Pilate que tu fusses crucifié. Il ne trouva aucun grief autrefois, et le fils du fait le criminel Barabbas est condamné innocent, appelant sur elle le poids de ce crime en disant que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Qu'il soit crucifié, crie ce que tu pourras de tes bienfaits. Et ils demandèrent de libérer un criminel au lieu de leur bienfaiteur. Et toi, ô Christ, tu gardais le silence et supportais les cris des meurtriers des justes, car tu voulais souffrir et nous sauver dans ton amour. Sagesse de roi et tout le saint évangile, paix à tous. En ce temps-là, les soldats menèrent Jésus à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils appelèrent toute la cohorte. L'ayant revêtu de pourpre, ils ceignirent sa tête d'une couronne d'épines qu'ils avaient tressée, et ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Et il lui frappait la tête avec un roseau. Il crachait sur lui, il fléchissait le genou devant lui pour lui rendre hommage. Puis, quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre. Ils lui rendirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Et ils requirent pour porter sa croix Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs. Et ils conduisirent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Puis, l'ayant crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. C'était la troisième heure quand ils mirent en croix. L'inscription qui portait le motif de sa condamnation était ainsi libellée « le roi des Juifs ». Et avec lui, ils crucifièrent deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accomplie cette parole de l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injurièrent en hochant la tête en disant « Et toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Pareillement, les grands prêtres avec les scribes se moquaient entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous aussi nous voyions et que nous croyions. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là dirent en l'entendant, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. Mais les autres lui dirent, attends que nous voyons si Élie va venir le sauver. Or, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Juge, Seigneur, ceux qui me traitent injustement et combat ceux qui me combattent. Christi.
ton bouclier, élève-toi pour me secourir. Thank you.
partie des pécheurs. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu possèdes en héritage toutes les nations. Dieu s'est dressé dans le rassemblement des dieux, au milieu d'eux il juge les dieux. Ressuscite, ô Dieu, commence à briller, viennent Marie la Magdalénienne et l'autre Marie voir le tombeau. Et voici, survient un grand séisme, car un ange du Seigneur descend du ciel, s'approche, roule la pierre et s'assied dessus. Son aspect est comme l'éclair, son vêtement blanc comme neige. Pris de crainte devant lui, les gardiens sont séismés, ils deviennent comme morts. L'ange intervient et dit aux femmes, « Pour vous ne craignez pas, je sais que vous cherchez Jésus qui fut mis en croix. Il n'est pas ici, car il s'est réveillé comme il l'a dit. Venez et voyez le lieu où il était posé. » Vite, allez dire à ses disciples, il s'est réveillé d'entre les morts. Voici, il vous précède dans la Galilée, là vous le verrez, voilà, je vous ai dit. Elles s'en vont vite du sépulcre, avec crainte et grande joie, elles courent annoncer à ses disciples. Et voici Jésus les rencontre, il dit « Salut !» Elles s'approchent, elles lui saisissent les pieds et se prosternent devant lui. Alors Jésus leur dit « Ne craignez pas, allez annoncer à mes frères qu'ils s'en aillent dans la Galilée, là ils me verront. » Les 11 disciples vont dans la Galilée, sur la montagne que leur a fixée Jésus. Ils le voient, se prosternent, mais quelques-uns hésitent. Jésus s'approche et leur parle. Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, faites des disciples de toute la nation. » Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à l'achèvement de l'ère. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Christos, Voskrese, Izmir.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисусе, мой родной живот.